Bon, salut tout le monde, c'est MyDrucJV, donc pour une vidéo, c'est la première vidéo gameplay commentée sur une châssis 3. Donc on se fait là un petit match à mort par équipe. Donc comme arme, je vais jouer avec AK-47 avec précision et le pistolet c'est l'arme micro avec précision tir à vue. Capacité CP alliée comme une châssis 2 et tête brûlée. Parfois j'ai besoin de munitions. Donc la riposte j'ai explosion rapide. Donc voilà, la partie commence. La map c'est la ville de bronze. Donc je tiens à m'excuser pour bon, il y a quelques des choses imprévues. Par exemple, s'il n'y a pas Men in White, pourquoi il n'y a pas Men in White? Bah, tout simplement parce qu'il n'est pas connecté. Je voulais faire la vidéo pour une châssis QG là, donc là Men in White, oh là je suis mort, Men in White il est pas connecté donc j'ai pas pu faire la vidéo avec. La prochaine normalement ce sera avec lui. Deuxième chose, c'est la qualité. Donc la qualité, non c'est pas énorme. Par rapport à ce que propose le bandit 2009 ou d'autres, c'est largement meilleur que la mienne. Mais bon, moi c'est pas la qualité mon point fort. Je vais pas dire que j'ai des points forts surtout hein. Mais bon. Toute façon, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de faire mon mieux pour être de bonnes vidéos. J'espère que si vous faites 720 pixels genre sur YouTube comme ça. Ça fera une meilleure qualité. Bon, ça fait pas une grande différence, mais bon. Bref, là, je fais un score négatif de 0,2. Mais bon, c'est pas le score ce qui m'intéresse. Bon. Ok. Bon. Voilà. Oh non, mais ma manette bug. Voilà. Ma manette bug un peu. Donc, des fois, elle lance des grenades toute seule, des fois, elle fait des roulades toute seule. Voilà, bref, on va essayer de faire monter un peu le score, genre pour qu'on ait des power play, mais bon, oh, la falaise, genre des power play pour les autres. Je crois que les power play, c'est quand on fait 5 kills que, sans que les autres nous tuent, ça fait des power play, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, 5 kills 0. Oui, je suis l'homme marqué. Eh ben. Il est pas mort quand même. Je suis l'homme marqué. Alors, tu vas me lâcher, oui. Oh non, oh non. Jeu décisif terminé. Alors, à cause de moi, le jeu décisif est terminé. Bon, moi, j'ai essayé de survivre. Pour la map je la connais pas, on peut dire que je la connais pas du tout, j'ai joué 3 ou 4 parties dessus, donc je crois que je me perds dessus hein. Bon, je crois que cela c'est le centre, bien il y a deux endroits qui se ressemblent comme ça. Ah oui, je crois que c'est là, c'est pareil à l'intérieur. Donc pour mon style de jeu, donc je suis plutôt pas campeur, je fonce, je cherche les ennemis, je fais le tour de la map. Pour les armes, je joue un peu les armes lourdes, je vais pas mentir. Des fois si je passe à côté d'un lance-roquette comme ça, je le prends. Et pas toujours. Et pour la Falaises, je l'utilise. Enfin, je l'utilise presque jamais, sauf quand genre les mecs en face abusent l'arme. Ben, je l'utilise comme ça pour me venger. Mais pour les paquetages, non, j'ai pas de paquetage de Falaises. J'ai que les 4 armes normales. Alors, pour les autres armes, les armes lourdes, j'utilise surtout le T-Bolt. C'est l'arme lourde qui vaut le coup. Des fois, la PAK 80, quand. Ouf!
Ah non, non, par exemple le pompe je l'utilise pas trop, presque jamais quoi. Il reste quoi comme arme lourde? Moi je crois que c'est toutes les armes lourdes qu'il y a, si j'en ai pas oublié. Lance-grenade, ouais des fois je le prends. Mais c'est quand franchement quand elle a presque perdu, genre ben, je vais remonter le score. Attention, c'était quoi ça? Un autre trésor, deux trésors en une partie. Ah, du fric. Voilà, c'est tout pour les armes. Pour le pistolet, j'utilise pas trop parce que j'ai essayé pour le corps à corps, mais ça le fait pas du tout. Le truc, c'est qu'il faut faire une roulade et lancer une grenade en même temps, c'est tout. Pour bon, Mariposte, je l'utilise pas trop, ouais. Pourquoi? Parce que je trouve pas trop les occasions de l'utiliser. J'ai pas trop de réflexes. Non, genre, je vois un ennemi. J'ai pas de réflexe d'activer la riposte, lancer une grenade directe. Genre ça. Ah non. Et tu vois. Mais quand même, ça m'a un peu aidé là. Surtout pied allié, j'adore. Je crois que j'ai le niveau 3. Merci. Bon, là. Oh non. Il m'a vu celui-là. Je fais un 7-7. Pour les scores, je fais pas de très bons scores. Déjà que ma connexion ne me permet pas. Et puis les autres, c'est pas des nuls non plus. Ils jouent pas mal. Au moins, cette partie, il n'y a pas trop de lagueur. Genre. Je cherchais. Je meurs pas en 2-3 balles comme ça. Et un petit. Comment dire, c'est serré. Pour les personnages, donc vous verrez toujours que je jouerai avec soit Chloé, soit pour les ennemis Talbot. J'aime pas trop changer les personnages. Mais vous verrez toujours que c'est des personnages Chloé Talbot, ou bien personnages personnalisés. J'utilise des fois. Sinon, quand j'aurai débloqué un squelette, peut-être que je le mettrai. Genre Marco Polo, c'est mon personnage préféré sur Uncharted 2. Donc pour cette partie-là, elle va bientôt se finir dans deux kills pour le truc. Un seul kill plutôt. Alors lui, il est parti. On va essayer de l'attraper quand même. Alors il est où? Il est où? Je crois que je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu, c'est bon. Bon. Alors. Dernier. Oh non. Ah bah là, c'était du lag. Là, c'était du lag. Bref. Ah, 1 heure sup. Donc, c'est égalité. Le match était un peu serré. Donc, 1 heure sup. Alors, saute dans. Désolé pour toi, mon pote. Donc, leur sup, c'est faire le plus de kills que les autres. Sinon, il y a une mort subite. Alors, la mort subite, c'est un kill. Alors, l'équipe a gagné. Donc, si on fait une égalité, alors je veux pas faire d'égalité, je veux gagner. On va essayer de tuer un mec. Je crois que ça campe à mort par là. Oh là là. Sérieux. Personne ne s'est montré. Et oui. Ah bah on a gagné. Et voilà. C'est une partie très rapide de 10 minutes. Même pas 10 minutes. Bon, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo. Je remercie tous ceux qui me suivent. Abonnez-vous à la chaîne ou à la chaîne de Uncharted que j'ai aussi. Et ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous voulez, parce que moi on est le soir là, il est minuit 40 minutes. Donc je remercie tout le monde et ben, à bientôt, à plus.